Bonjour à tous, c'est Karine, coach sportif et bien-être. Donc si on faisait de la gym aujourd'hui, mais pas n'importe quelle gym, de la gym suédoise. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée par Per Henry Kling, tout simplement, qui était suédois, au 19e siècle. Cette gym combine eh bien, des mouvements de kiné et des mouvements de gymnastique pour éviter que les personnes ne se blessent. Donc en général, on aura la coordination, le cardio et puis des étirements en fin de séance. Je vous montre ça. Le premier exercice avec de la coordination, avec des bras, des talons-fesses, des genoux. Et des petits ponys. Vous retrouverez aussi des mouvements d'abdominaux. Gym suédoise, donc on pousse, on fait trois petites flexions de jambes. On est sur les avant-bras. On garde quand même le bas du dos en contact avec le sol. Voilà, et on souffle, 2, 3, très bien, et on ramène vers soi. Voilà. On retrouvera en fin de séance ce type de mouvement. Donc vous êtes allongé sur le dos. Vous allez placer vos bras de chaque côté en croix au niveau des épaules. Vous prenez une inspiration par le nez et sur l'expire, vous allez laisser tomber vos deux jambes d'un côté et tourner votre tête de l'autre. Donc si vos jambes sont vers la droite, votre tête ira vers la gauche. Et vous allez allonger votre jambe, la jambe qui est au-dessus, vous gardez le pied en contact avec le sol, vous attrapez soit l'arrière de votre cuisse, soit votre mollet, soit votre pointe de pied. Vous prenez une inspiration par le nez et sur l'expire, vous tirez vers vous. Voilà, on rapproche la jambe du buste pour étirer l'arrière de la jambe, le bas du dos. Très bien, on refait encore une fois, on inspire et on étire légèrement vers soi. Donc ça, c'est le type d'étirement que vous pourrez retrouver en gym suédoise. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne séance. Vous pouvez retrouver sur internet eh bien, beaucoup de salles où on pratique ce genre de gymnastique. Vous avez tous les niveaux, du débutant au plus confirmé. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres, eh bien retrouvez-moi sur minutefacile.com et abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez avoir un coaching personnalisé, retrouvez-moi sur ma page Facebook Karine Elbuic Personal Trainer ou alors ma page Instagram @karine-coach-paris et je suis sur Paris et la région parisienne. N'oubliez pas. Ciao ciao.